Salut à tous les amis, c'est Tizo et on se retrouve aujourd'hui pour le premier top 10 Black Ops 3 qui se déroule sur la bêta qui est sortie sur PS4 le 19 août. Et vous allez voir qu'il y a déjà du très très lourd. On commence à la 10ème place avec HTP Warrevs qui va nous tenter un petit trickshot. Il commence avec un premier kill avec son RK5 et là regardez le très joli trickshot qui nous rentre. Malheureusement ce n'est pas la killcam mais quand même un très beau trickshot qu'on va voir au ralenti. Commence une petite rotation dans un sens, une deuxième dans l'autre. Et donc ce petit kilo locus, bien joué à toi. En neuvième position, nous avons Auré du 23 sur la même map. On est sur la map Combine. Il jette sa grenade un petit peu random qui hit une quad. Donc la 4 en une seule grenade. On va pas se mentir que les grenades sont assez puissantes, mais bien joué à toi une fois de plus. En huitième position, nous avons Hughes qui fait deux petits kills avec sa Kuda. Et ensuite, il débloque son Hellstorm. Il se dit bon, on va le lancer. Et qu'est-ce qu'il va nous récupérer ce petit Hughes là, 6 en 1. Donc tout simplement la full team. Full team avec son Hellstorm, ça fait super plaisir de voir ça. En 7ème position, toujours sur cette petite map Hunted, il est équipé de son épervier, le petit Tark, hein, je commence à le connaître. Il commence à lancer deux flèches et la troisième qui hit la voiture et qui nous débloque une 5 en 1. 5 en 1 avec l'épervier. Gros clip de ta part. Sixième position, nous revenons sur la map Combine. Il commence avec un premier kill. Ensuite, il va miss sa première balle et la deuxième, il hit une triple. Donc ça, franchement, la triple random comme ça, ça fait toujours plaisir de la choper. On voit que les ennemis s'alignent parfaitement. Et donc, le petit KTZX qui nous fait cette triple une balle. En cinquième position, nous avons Jinap SkyZX. Avec l'épervier une fois de plus, mais là vous allez voir cette précision, il a déjà fait deux petits kills et il va commencer sa feed, la double, la quad et la 5 on screen, 5 on screen à l'épervier. J'ai vu beaucoup de clips mais c'est la première et la seule 5 on screen que j'ai vu, donc très bien joué de ta part. En quatrième position nous avons Golight, il commence avec un premier kill avec son annihilator, il va switch sur son Dracon, un sniper vraiment très très puissant, il commence avec un premier kill, ensuite il nous fait la quad on screen. Très joli quad on screen, malheureusement la 5 on screen broke, mais il va quand même continuer avec deux autres kills pour une très 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 belle série et finir par se faire tuer, mais bien joué de ta part. On rentre dans le top 3 avec Token, avec son annihilateur, donc il cherche un petit peu les ennemis comme ça, et là quand j'ai vu ce clip, j'ai pété un pont, triple une balle avec l'annihilateur, et il enchaîne avec un quatrième kill pour la quad on screen. Only Annihilator, donc là déjà son clip était vraiment gagné, mais il va pas s'arrêter là. Il fait deux autres petits kills, il va switcher sur sa Razorback et nous faire deux autres kills. Donc vraiment une énorme série de ta part, j'étais vraiment choqué quand je l'ai vu. Très 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 bien joué, et on voit qu'on peut faire des multis avec cet Annihilator. Alors à quand la quad? Nous verrons. En deuxième position, nous sommes encore avec le Dragon. Et vous allez voir que le petit ADLM Wax Spy va vraiment se faire plaisir. Il a commencé déjà une petite série avec 4 kills. Et là, c'est donc la feed qui va commencer, tout simplement, la 5 on screen. Donc, 5 on screen, on est seulement sur la bêta. Je sais pas si vous vous rendez compte des standards, la hauteur des standards déjà sur la bêta. Et on rentre donc sur le premier, le grand winner. Il commence avec 2 kills et il va faire un 100% de précision, la triple une balle. Donc, il nous fait la quad on screen avec la triple une balle. On va revoir le clip au ralenti en tout, donc une 6 feed non broke avec deux fois la quad OS dont la triple balle, un énorme clip holocus, 100% de précision, donc il mérite amplement cette première place. Bien joué à toi, Crozer Gaming. Et un petit bonus que je vous ai rajouté, alors c'est un clip que j'ai fait moi-même, donc j'ai pas voulu le mettre dans le top 10, bien évidemment, puisque bah, c'est moi qui crée le top 10, donc me mettre dedans, c'était un petit peu, on va dire, prétentieux de ma part, mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'on n'a pas vu donc de clip avec la pointe de choc. Regardez ce que je vais faire, la quad donc avec le spécialiste ruin, pointe de choc, et je rajoute un petit kill avec le petit gun, le RK5, pour donc faire une 50 screen quad au pointe de choc plus un kill 50 screen. Malheureusement j'ai loupé la kill cam, je suis assez dégoûté. Ice Cream donc a fait un kill juste après, sinon j'avais donc la 5 on screen kill cam, et là c'était un clip assez énorme. Une prochaine fois, on va dire. En tout cas, bah voilà, j'espère que ce top 10, ce premier top 10 vous aura fait vraiment plaisir. J'ai pris en tout cas énormément de plaisir à regarder tous les clips. Et j'avoue que j'ai été assez impressionné de voir ce que les gens sont déjà capables de réaliser sur ce jeu.
Donc bah, c'est tout pour ce premier top 10. Il y aura un deuxième top 10 Black Ops 3 la semaine prochaine à l'issue de la bêta sur Xbox et PC. Donc si vous débloquez encore quelques clips sur la bêta PS4, bah, n'hésitez surtout pas à les envoyer donc à codxqg@gmail.com. Et donc les joueurs Xbox et PC, faites de même et on aura certainement un superbe top 10 la semaine prochaine. On pourra d'ailleurs comparer un petit peu ce qui s'est fait sur donc la bêta PS4 et sur la bêta Xbox PC, voir un petit peu le niveau des différentes plateformes. En tout cas, bah, c'était tout pour moi. Une fois de plus, très très bien joué à Crozer Gaming qui gagne donc la subbox de CODQG pendant une semaine. Et bah, j'espère que ce top 10 vous a plu. Auquel cas, faites-moi exploser vraiment pour Black Ops 3 ce petit bouton like. Et moi, je vous dis à la prochaine.